Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui avec le frérot Tekas. On est là. C'est quoi mon gars? Voilà, on est là mon gros frère. Déjà premièrement, on est où en fait là? Là on est à Reims Nord. On est précisément à Orgeval, quartier Orgeval. Et voilà, c'est Reims, 51-100. Alors tu nous as dit déjà cette rue elle est particulière pour toi là. Ouais, cette rue elle est particulière, tu vois. Je vais te montrer l'affiche là-bas, le panneau. Rue du docteur Lucien Bétinger, c'est là que moi tout a commencé. Là c'est en rénovation, ça ils ont rénové. Hein. Ouais, avant c'était ça, des blocs, ouais. C'était des blocs carbo frérot, des blocs carbo de ouf. Tu vois, ils sont même pas encore attachés les, les trucs, t'as capté. Et ouais, voilà, c'est là que j'ai grandi, hein. C'est là que j'ai tout fait. Vraiment toute mon enfance, tu vois. Parce que t'as vu ici, il y a plusieurs secteurs. T'as Poincaré, t'as 106, t'as Bétinger, tu vois. Là on a Bétinger. Et à l'ancienne, c'était vraiment secteur par secteur ici, tu vois. Au fil du temps, après, voilà, ça se mélange, tu vois, comme dans tous les quartiers, tu vois. Ouais, on va faire un petit tour. Déjà, avant tout, tu peux te présenter aussi. Ouais, moi c'est Tekas, rappeur, artiste, interprète. Je fais beaucoup de choses aussi, je fais un peu de composition aussi. J'ai commencé la musique en 2015. Moi, c'est mon frère qui rappait, il s'appelait Souma. Il rappait jusqu'en 2000, il a commencé vers 2010, jusqu'en 2015, tu vois. 2015, il a arrêté, moi j'ai repris direct en 2015. Et jusque là, tu vois. Et puis voilà. Là, on est rue Docteur Lucien Bétinger. Hein. Et ça part vraiment de là. Fallait absolument que je te montre ce panneau-là avant qu'on commence. Obligé. Voilà, ça part de là. Bah, du coup, frérot, c'est comment? T'as commencé quand le rap? Ça fait combien de temps? C'était quand les premiers clips? Alors, mon premier clip. Un peu le début, on va dire. Le début, 2016. Ouais, 2015, je commençais déjà à faire des freestyles avec mon frérot Livka. C'est un poteau à moi, tu vois, Livka de ouf, tu vois, c'est vraiment mon gars de ouf, tu vois. Et c'est avec lui qu'on a vraiment commencé les freestyles dans la voiture, etc. À commencer à gratter nos premiers textes, tout ça, tu vois. Puis après, on a décidé d'aller au studio, on a commencé à enregistrer au studio et tout, des sons, tout ça. On a enregistré un morceau qui s'appelait Capuché à l'époque. Pour ceux qui savent, Capuché. Là, il n'y a vraiment que les vrais qui l'ont vu ce clip-là, ce son-là, tu vois ce que je veux dire. Et bon, il est plus sur YouTube, hein, c'est mort. Hein. Mais c'est vraiment le premier son qu'on a fait, on l'a clippé et tout. Et c'est de là que c'est parti en vrai. C'est de là qu'après, voilà, on a commencé à enchaîner les studios, aller toujours. Après, on a fait un deuxième son qui est encore disponible sur YouTube là. Là, je crois que je l'ai masqué. Mais vas-y, je vais le démasquer juste pour vous. Je vais le démasquer. Et ce son là, il s'appelle TKSS. On l'a sorti aussi avec Livka, pareil. Ça fait du bruit à mort dans Reims. Et c'est là que vraiment, on est rentré dans le cercle des rappeurs de Reims. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on a eu cette identité qui est arrivée directement après, tu vois. On arrive vraiment dans l'époque de la trappe en plus, tu vois, c'était vraiment vénère et tout. Genre quelle année, 2016? Ouais, 2015, 2016, t'as eu, tu vois, la trappe quand on était vraiment là, tu vois, on était arrivé à ce moment-là. On avait une bonne énergie et tout, tu vois, c'est ça qui a fait que ça a fait du bruit dans la ville, tu vois. Et puis après, voilà, fil en aiguille, on a continué. Après, j'ai sorti un son qui s'appelle Zaf, qui a fait 6 millions de vues aujourd'hui. Ouais. Il a cartonné sa mère, le son. Ça. Ouais, ouais, ce son-là, inattendu, t'as vu, inattendu, ouais, tu calcules pas. Comment ça se fait d'ailleurs? Pourquoi il a. Genre, il a pété comme ça, genre. Frère, je sais pas, Designer, il a sorti le son Panda. C'est un remix, toi, voilà. C'est un remix, tu vois, il a sorti Designer Panda. J'ai commencé à avoir un remix de remix. Je sais pas pourquoi, moi aussi j'ai fait le remix. Bim, bingo, frère. Tout était aligné, frère. Tout était aligné, tu vois. Et je crois, en un mois et demi, on a fait 1 million de vues. En un mois et demi. Après, ça y est, ça a augmenté, 2 millions, 3 millions. Et là, on est à 6 millions. Tu sais, tous les ans, en fait, il monte. Tu vois, tous les ans, il prend 1 million, tu vois. Tous les ans, il prend 1 million. Et même là. Le plus gros son de Reims, on va dire, non? Ouais, c'est celui-là, Personne n'a fait vraiment. Personne n'a dépassé, même. Je sais même pas si ça a dépassé le million. Si, à Croix-Rouge, je crois que ça a dépassé. Il y a un autre secteur, c'est le Croix-Rouge. Ça a fait 1 million de vues aussi là-bas, tu vois. Mais c'est moi qui a fait le plus gros score. Ouais, j'ai fait le plus gros score, tu vois. Derrière, ça suit, tu vois. Derrière, on a enchaîné avec des sons, tout ça, tu vois. On enchaîne avec du 6.3, des maris. Franchement, j'ai vraiment envoyé une palette sale, tu vois. J'ai vraiment envoyé tout ce que je savais faire, tu vois. Tout, vraiment tout. Sans direction artistique, sans truc précis. J'ai vraiment fait en sorte de que envoyer des sons, que des singles, par contre. Ouais. J'ai pas fait de projet, pas d'EP, tout ça, tu vois. J'étais pas là-dedans. Ouais, voilà, j'étais pas là-dedans, tu vois. Et jusque 2022, tu vois. Fin 2022. J'ai sorti ma première mixtape, tu vois. Ah ouais. Qui s'appelle 221K, elle est disponible partout. Mixtape 221K. Et puis c'est de là qu'après j'ai commencé à travailler une direction artistique sur mon prochain projet, etc. Mais t'inquiète, on va en parler. On va en parler, t'inquiète. Là je vois ça, c'est toujours le même secteur. Là, tu vois, on vient de dépasser la route, t'as vu? Ouais. Là on vient de dépasser la route là. À partir de là, on a Poincaré, secteur Poincaré. Tu vois les blocs marrons. Ouais. Les blocs marrons ici là, mais là ils ont vraiment rasé, mais il n'y avait que des blocs comme ça, tu vois. Carbo comme ça, tu vois. Là, c'est secteur Bétinger, c'est compté comme Bétinger ici aussi. Après, quand tu descends là-bas, tu arrives au secteur Coubertin, etc. Tu vois. Mais là, principalement, on est encore dans la rue en fait, Bétinger. Tu vois, on est encore dans la rue Bétinger. Ouais. Mais tout ce qu'il y a là et là, c'est Poincaré. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment c'est que des rues qui séparent nos secteurs. Du coup, gros, t'as sorti un projet. J'ai sorti un projet. Raconte un petit peu, parle-en un petit peu. Bah, regarde, en fait, on va dire que tu vois, 2016, 2017, quand je sortais mes sons, tout ça, ça a pris pour le son que je t'ai dit, qui a buzzé, tout ça. Après, derrière, t'as vu, faut enchaîner, faut envoyer des sons, tout ça. Mais t'as vu, quand tu commences, t'as pas tous les astuces pour pouvoir travailler ta musique, savoir où enregistrer, avec qui faire tes clips, comment travailler, etc. Tu vois, donc nous, on envoyait tout vraiment à l'arrache, comme ça, sans vraiment travailler les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec le temps, après, on a commencé à se structurer, commencé à bien,
capter qu'est-ce que vraiment la musique, tu vois ce que je veux dire. Et puis jusqu'à ce que j'arrive en 2022, frère, et vraiment en 2022, j'ai sorti une mixtape. J'appelle ça une mixtape parce qu'il y a beaucoup de sons que j'avais fait en courant de toutes ces années-là, que j'avais pas sorti. Ouais. J'ai tout mis dedans, tu vois. J'ai tout mis dedans et je l'ai sorti vraiment pour fermer l'étape de quand j'ai buzzé à 2022. Tu vois, c'est vraiment, j'ai sorti ce projet-là juste pour fermer ça, tu vois. Et là, j'ai d'autres projets qui vont arriver, qui ont, on va dire, entre guillemets, rien à voir avec ce que je faisais avant, tu vois. Mais il fallait quand même que je clôture le TKS d'avant, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment dans cette optique-là qu'on a travaillé. Bon là, place Ferma, là ici c'est le cœur d'Orgeval. Là, t'es vraiment au cœur. T'as le secteur Poincaré qui est là, secteur 106 qui est là, secteur Bétinger qui est là, t'as capté. Place Ferma, là c'est ici qu'il y a tous les halouts, t'as tous les magasins. Bon là, c'est fermé, ça ouvre à 15h. Ah ouais. Tu vois, ouais, non, tiens, c'est ouvert. Il est plus de 15h là. Ouais, je crois. Ça, il est plus de 15h, on est de ouf nous. Hanout il est ouvert là, t'as une boulangerie là, t'as un Hanout encore là-haut, t'as le kebab corner qu'on va aller manger ce soir là-bas, Inch'Allah. On va aller manger là-bas ce soir, c'était chaud. Kebab corner, t'as tout, hein. t'as taxiphone, agence de voyage, coiffeur, encore un Hanout. T'as tout qui se passe ici quoi. Tout se passe là, ça, t'as vraiment une place ici. Voilà, t'as les enfants qui jouent là-bas avec les mamans, tout ça, c'est ici que vraiment, c'est vraiment le symbole d'Orgeval, place de Ferma. C'est vraiment ici le symbole, tu vois. Et il y a des clips ici un petit peu ou quoi? J'ai clippé. Toi ou d'autres artistes? Ouais, hein, moi ou même d'autres artistes, on a tous clippé à la place Ferma. On a tous clippé ici, moi j'ai clippé là-bas, j'ai clippé dans le hall là-haut, j'ai clippé à Bétinger. Bah, j'ai vraiment clippé partout. Franchement, si on fait le tour de où j'ai clippé, frérot, laisse tomber. Bon, ici, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont déjà venus en tout cas à Reims, je pense que vous avez plus le même décor qu'avant. Tu vois, c'est plus pareil, frère. Ils ont tout rasé, ils ont tout rénové. Tu vois, maintenant t'as le tramway qui est là. Et puis là-bas, t'as la MJC, t'es mal à l'aéroport, frère. J'avoue, il est pas à l'aise. Hein. T'as capté ouais. C'est la MJC là-bas. Et là-haut, il y a des activités qui se passent avec les enfants, avec les darons, etc. Tu vois, c'est là-haut que voilà, les gens y vont maintenant, tu vois. Et voilà, place de Ferma, frérot. Franchement, ça, c'est un endroit mythique d'Orgeval, tu vois, de ce secteur-là, tu vois. Raconte-moi un truc qui peut-être qui t'est arrivé ici, un bon souvenir. Un bon souvenir qui m'est arrivé ici. Une anecdote, peu importe. Une anecdote à la place Ferma. Waouh, putain. Waouh, il arrive. En fait, tout se passe ici, ouais, tu vois. Tout se passe ici. Hein. Ouais, il y a trop de trucs qui se passent ici, tu vois. Ici comme en haut, tu vois, mais il y a vraiment trop de trucs qui se passent ici. Anecdote, franchement, il y a des anecdotes sales, il y a des anecdotes bien, il y a eu des accidents, il y a eu des trucs de fou. En fait, il y a vraiment tout ici, en fait. Ouais, tout, même pas d'anecdotes spéciales, tu vois. J'ai vraiment que tout s'est passé, tout se passe ici, tout se passe à la place Ferma, tu vois. Et j'ai clippé là, j'ai fait mon tournage ici de l'Azelé avec ça va quoi BG, tranquille. J'ai fait mon clip avec Blata et Lazelé ici, sur les saliers ici. T'as Lazelé qui a clippé là aussi, dans ce coin-là. Je pourrais même pas te décrire en vrai qu'est-ce qui se passe à Place des Femmes. Il faut vraiment y vivre pour voir. C'est tu vois. Ça, hein. Faut vraiment y vivre pour voir. À partir de 19h ici, ça y est, tu vois. L'escalier est rempli, tout le monde est là en fait, tu vois. Et voilà, il se passe des choses, t'as vu. Il se passe des choses. Hein. Bon là, mon ref, là on est au 106. Secteur 106. T'as trois terrasses. Tu vois, c'est construit en bloc. À l'intérieur de ce bâtiment-là, tu as une terrasse. À l'intérieur de celui-là, tu as une terrasse. À l'intérieur de celui-là, tu as une terrasse, t'as vu? Et là, c'est ici, c'est le secteur 106. C'est le secteur le plus large d'Orgeval, tu vois. Ouais. C'est vraiment le secteur le plus gros, tu vois. Et voilà, ici aussi, on a clippé. Hein. On a clippé partout ici, dans tous les blocs. J'ai fait RS3 à la première terrasse. J'ai fait à la deuxième terrasse, j'ai fait une scène sur Parano aussi, tu vois. Wassil! Ça dit quoi BG? Lui, trop chaud au foot. Ah ouais? Lui, il est trop chaud ma gueule. Voilà, machallah mon frérot, en plus son père s'occupe bien de lui frérot. Lui c'est projet Mbappé en cours, projet sale, projet Ronaldo, Nick Sarraj, projet Ronaldo. Ah ouais, c'est justement à Reims gros ça joue bien. Enfin je sais pas, il y a chacun centre de formation. Ouais, c'est pas mal ici. Là, franchement c'est pas mal ici. Hein. En plus là, il y a Will Steele qui est arrivé là. Je sais pas si t'as vu l'entraîneur de Reims, le rouquin là. Ouais, même, ouais, il a même pas de contrat gros. Pas de diplôme, il a même pas de diplôme. Gros, mais il fait du sale, gros. Tu vois? C'est qui? Non, ah Ito c'est le chinois là qui joue. Ouais. Ah lui il est chaud lui. Non c'est quoi, c'est un japonais non? C'est pas un japonais? Ouais, si. Ah il est trop chaud Ito frère. Tu vois? Capté ou pas, il est branché le petit. Ito il est chaud ou pas? Ah ouais, lui, justement, on connaît Reims pour le foot, mais moins pour le rap. C'est comment le rap à Reims? Bah justement, les choses elles se font, t'as capté, petit à petit. Tu vois? Nous notre but, de toute façon, moi en tout cas, dans ma tête à moi, dans mon mindset à moi, mon but c'est de faire péter ma ville, frère, t'as vu? Avant d'aller faire péter autre part. Et même si je pète autre part. Et qu'on ne sait pas que je suis de ma ville, je vais l'affirmer, t'as capté? Ouais. Je vais l'affirmer clair et net, tu vois, je viens d'ici frère, je suis pas un gars de là-bas, je suis un gars de là, t'as vu, c'est ici que j'ai grandi, je connais tout le monde.
Et c'est de là que la force, je l'ai eu, t'as capté? J'ai vraiment eu la force d'ici, tu vois. Parce qu'il manque en plus quelqu'un qui a pété vraiment ici, tu vois. Il manque encore un. Après, tu vois, je sais pas si tu connais mon frérot Daomé. Je sais pas si tu connais Daomé. Ah, il vient d'ici, ouais. Il vient d'ici, c'est plus plug et tout. Ouais, il est plus dans la plug et tout, etc. Mais il vient d'ici, le frérot. C'est un gars de ouf, Daomé, tu vois. Après, t'en as plein d'autres artistes, tu vois. Je sais pas si eux, ils l'ont déclaré, tu vois. Eux, ils le déclarent pas trop. T'as vu, c'est des artistes qui déclarent pas trop. Mais t'as plein d'artistes, tu vois, qui sont connus aujourd'hui de ouf à l'international qui viennent d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils l'ont pas dit, tu vois. Je peux pas te le dire, tu vois. Mais tu vois, eux-mêmes, ils le disent pas, tu vois. Mais ils viennent de là, frère. Tu vois. La course. Je sais pas si là, la dernière réserve. Pas celle-là. Vas-y voir, 1, 2, 3, vas-y, let's go. Ils sont comment les petits décasses ici? Ici? Voilà, ici, les petits, ici, ils ont la chance de dire, t'es mal, il a fait mourir. Regarde, t'es mal. Oh là, viens, on va passer chez mon gars Arthur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mon gars Arthur, tu connais? Ça? Oh, il a fait mourir. Orgeval City. Orgeval City, mon refrain. Comment on arrive où là, du coup, décasse? Là, ici, on est en bas du 106. Là, on est secteur 106, mais on est en bas. Tu vois, ouais. T'as une supérette ici aussi. Mon gars Arturo qui est là. Arthur. Et tu connais, lui c'est 24-24 mon frérot. En direct de chez Arturo, tu connais Orgeval City. C'est là que tout se passe, c'est là qu'on boit, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on vient se ressourcer, c'est là qu'on vient goûter, quand on a la dalle, t'as vu? Tu vois, c'est là qu'on vient chez nos boissons, t'as capté? Bah mon gars, justement, c'est quoi ta boisson toi? Moi je te vois pas, je suis un gars powerhead hein. Ouais, powerhead. Les gens, t'as vu, ils sont pas trop powerhead hein. T'es le premier qui me loue pour powerhead. Là, mais je crois que je suis le premier frérot powerhead méchant. Méchant de ouf, tu vois. Moi je kiffe boire ça, tu vois. Après sinon, ouais, c'est 7-Up Mojito aussi, j'aime bien. 7-Up Mojito, moi je suis un gars du 7-Up, t'as vu. Après, il y a des nouvelles boissons, tout ça, les Fanta Berry et tout là. Vénère. Tekas, ouais. On est au City. Tu vas dire, il y en a plusieurs ici en plus. Trois City. On a un City ici, en bas du 106. City vert et City au stade. Voilà, City vert à Poincaré. Et t'as le City bleu au stade. T'as trois City dans ce quartier. Il y a des mecs, ils ont signé, ils ont percé un peu à Orgeval. Ouais, ou quoi. Ici, on a un frérot qui a pété à l'ancienne. Il avait signé à Sochaux. Après, il était parti au Qatar. Il a signé au Qatar après, dans un club qui s'appelait Les Ria, je me rappelle, Amine Lecomte. Grosse force au frérot Amine Lecomte. Et puis, il était gardien remplaçant du Qatar aussi. Oh. Tu vois, il était gardien titulaire, enfin, pas titulaire, mais remplaçant, tu vois, du Qatar. Et puis là, il est au Qatar, frérot. Et de temps en temps, il vient, il passe nous voir. Il nous ramène des t-shirts, il nous ramène des maillots de foot, il nous ramène plein de trucs, tu vois, des ballons. Et voilà, hein, tu connais. C'est le seul pour l'instant de notre secteur qui a explosé dans le foot. Et le prochain, c'est lui. Le prochain, il est là. Montre, allez. Inch'Allah, le prochain, il est là. Facile. Après, il y en a, il faut pas oublier. Oh là là, c'est les sauts. Ils ont quel âge? Moi, j'ai 9 ans. Moi, j'ai 10. 10 ans. C'est bien. 9 ans, 10 ans. Vas-y, les petits gros, tout à l'heure. J'ai fait un clip dans cette rue-là. De toute façon, tu vas voir, c'est un espèce de clip. À la base, ça devait être un plan séquence. Mais bon, après, on a dû le retravailler différemment. Mais le clip, il est disponible. Il s'appelle Pas de thème. TKS, Pas de thème sur YouTube. Et vous allez voir que c'est cette rue-là. Et qu'il y a de gros acteurs dans le clip. Des acteurs d'ici qui jouent des rôles, franchement, top, nickel, tu vois. S'il y a des réalisateurs, des producteurs là, allez checker le clip. Il y a peut-être des petits rôles que vous pouvez pécho. Des visages assez bien timbrés, bien, tu vois ce que je veux dire? Des visages cognés, des bons visages qui passent bien à la caméra, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a ce truc. T'aimes bien faire des trucs un peu scénarisés, un peu... Ouais, je kiffe ça, moi. Moi, je kiffe les bails scénarisés et tout, je kiffe, tu vois. J'en ai pas fait tellement, mais en tout cas, sur ma prochaine DA, là, sur le prochain projet et tout, il y aura grave du storytelling et tout sur l'image et tout, tu vois, l'image un peu avec une bonne teinte et tout, tu vois ce que je veux dire? Ramener ce côté propre de la vidéo, tu vois ce que je veux dire, parce que les vidéos c'est bien et tout, mais il y a toujours des grains à mettre, une teinte sur l'image et tout, pour que ce soit encore plus propre, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, on est dans ça en ce moment, tu vois. C'est-à-dire, serait quoi ton clip de rêve, toi, le clip parfait pour toi? Le clip parfait pour moi, ça serait un clip qui serait intemporel. Genre, faudrait que le clip, dans 6 ans, 7 ans, tu le vois, tu te dis, ah ouais, frère. Pour moi, ce serait ça le clip idéal, tu vois. Faut vraiment que ce soit ça, en fait, tu vois. Parce que t'as vu, il y a plein de clips que moi j'ai fait, que tu vois, aujourd'hui, pas que j'aime plus trop, mais que je me dis, ah, j'aurais dû changer ça, j'aurais dû faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et ben, le but, c'est que je fasse un clip et que dans 6 ans, je me dise, il est parfait. Il n'y a rien à changer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la recherche. Tu vois, elle est vraiment là, la recherche, tu vois. Après, il y a le son aussi, tu vois. Bah, faut le son, que le son, ça va avec aussi. Voilà, faut que le son, il aille avec. Et puis, quand je te parle de son, c'est. Je ne parle pas de sons standards, des sons répétitifs ou des sons qu'on entend un peu partout, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment travailler un son
avec une direction artistique bien, tu vois, avec des sonorités que tu n'entends pas souvent. Tu vois, je vais pas faire un clip, comme je te dis, bien propre sur de la jersey, tu vois ce que je veux dire, ou sur de la grille, t'as capté, il faut vraiment que je... Voilà, tu vois, faut que je fasse un... Même le son, faut qu'il soit un peu spé, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ces deux alignements-là, ils pourraient marcher, tu vois. Un son spé, entre guillemets, avec un clip qui, tu vois, aucun changement dans 6 ans. Voilà, je pense que là, t'as un espèce de classique, entre guillemets, tu vois. C'est comme ça que je pense que tu crées un classique. Là, on remonte le 106, tu vois. T'as vu, le 106, c'est des blocs blancs. Je sais pas si tu te rappelles, c'est des blocs blancs comme ça. Là, même si ça a été rénové avant, c'était des blocs carbo. Avant, c'était carbo de ouf, frère. Et encore, ils ont rénové, mais ça y est, ça commence déjà un peu à teignir un petit peu, tu vois. Mais ouais, voilà. Et tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, 3 terrasses, tu vois. T'as une terrasse là pour le bâtiment là. Ouais. T'as une terrasse pour ce bâtiment là. Et t'as une terrasse au 3ème. Oh, ok. C'est-à-dire, les gens, ils ont. À l'intérieur, ils ont des terrasses. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, on peut y aller si tu veux. À l'intérieur, ils ont des terrasses, ils ont des trucs de jardin et tout. Et puis les petits jouent généralement dans le carré, tu vois. Ils sortent pas de leur carré, les petits, tu vois. C'est bien, c'est tout rénové. Ouais, c'est rénové, c'est propre. Il faut attention au quartier, quoi. À fond. Tu connais, hein. Là, t'es sur la rue Schweitzer. C'est simple. Là, c'est la rue Schweitzer. Ça, c'est la rue principale d'Orgeval. Ça, c'est la rue principale où t'as le tramway qui passe, où t'as tout qui passe. De ce côté-là, t'as Poincaré. Et du côté où on est au 106. T'as vraiment la route là qui sépare les deux secteurs. Là, t'as le radar plutôt, on va dire que c'est. Tu vois, là c'est le cœur, c'est où les gens ils traînent vraiment, tu vois. Ouais. L'autre côté, c'est Poincaré. Et là, c'est 106. Et là, c'est l'avenue principale où t'as le tramway. C'est Orgeval. Tout ça, c'est Orgeval, en fait. Tout ça, c'est Orgeval, tu vois. Encore, on n'est même pas aux extrémités, tu vois. Sinon, ouais. Mais ça s'arrête même pas, tu vois, c'est vraiment large. Ça fait combien de temps que t'es d'Orgeval, toi, du coup? Depuis ma naissance, frère. Naissance, hein. Je suis né ici, voilà. T'es né à Reims, carrément. Je suis né ici, je suis né à Reims, frère. Je suis né ici. Mes parents, avant, ils étaient au secteur Wilson. Mm-hmm. Quand ils sont arrivés à Orgeval, 15 jours après, je suis né. Ok, ok. C'est-à-dire, je suis né dans ce secteur. Vraiment pur gars d'Orgeval. Pur gars d'Orgeval, frère. Je suis vraiment un pur gars d'ici. Je connais tout le monde me connaît. Mes parents, je connais toutes les familles. Puis voilà, comme dans tous les quartiers en vrai de vrai, t'as vu. C'est comment les quartiers de Reims? T'as vu, nous on connaît pas forcément. Ouais. On sait pas trop, c'est comment, ça se passe comment à Reims? C'est comment le quotidien, l'ambiance? Bah t'as des embrouilles de secteur, hein. Comme dans tous les quartiers, hein. T'as vu, ça c'est pas anodin, tu vois. T'as le secteur Orgeval contre le secteur Croix-Rouge. Bon, c'est, on dit ça contre, tu vois, mais en vrai de vrai, c'est... Eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi ils s'embrouillent en vrai de vrai, t'as vu ou quoi? Tu vois, ils savent juste que c'est ça le protocole, c'est... Rouge contre Orgeval, c'est juste que tout ce qu'on sait, t'as vu, c'est tout ce qu'on sait, tu vois. Puis après, au final, quand les petits bah, ils grandissent, après ça devient les potes, t'as vu, c'est comme ça, tu vois. Et t'as la génération d'en dessous qui commence à s'embrouiller, qui eux ils vont grandir et après ils seront potes, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours pareil partout. Hein. Ouais, c'est toujours pareil partout, c'est le même registre, ça va pas changer, tu vois. Ok, go! Il y a quelques clips un petit peu par ici ou quoi? Ici, ouais, quelques clips aussi, hein, au radar, au 45, là je vais te montrer le clip, je vais te montrer le bloc, le 45, c'est le bloc le plus carbo, ah ouais. C'était le bloc le plus carbo de la cité, vraiment. Bloc carbo de ouf, tu vois. Et ça a clippé devant, ça a clippé. J'ai clippé Ghetto, j'ai clippé. Je crois que j'ai fait des. J'ai fait pour quel son? Putain, j'ai fait trop de clips, frère. J'ai fait trop d'endroits en fait ici. J'aurais dû lister en fait. En plus, je savais que t'allais poser ces questions là. J'aurais dû lister sa mère. J'aurais dû lister, mais j'ai trop fait. J'ai trop fait. Tu m'as dit qu'avant c'était le plus carbo. Ouais, c'est celui-là le plus carbo. C'était comment avant Orgeval, à l'époque? Je pourrais pas te raconter mieux que les anciens, mais je vais te en tout cas, quand moi j'étais petit comme eux, frérot, c'était. Wow, c'était ghetto youth, hein. Ouais. Wow, c'était ghetto youth de ouf en fait. C'était... Aujourd'hui je le vois le contraste moi. Moi je le vois le contraste de ouf, tu vois, de comment ça a changé, tu vois. Les gens ils font leur truc un peu plus discrètement, etc. Tu vois. Mais avant c'était. Laisse tomber frère. C'était l'anarchie. T'avais des gens regroupés, tu vois, t'avais beaucoup de gens regroupés par secteur surtout, tu vois. Mais tout le monde s'est s'entraidé, tu vois. Mais tout le monde était dans son secteur, tu vois. Vraiment dans son secteur. Et chacun fait ses affaires dans son coin, tu vois ce que je veux dire. 45. Bloc mythique d'Orgeval, frère. Celui-là, c'est le. Tu dis à un gars, je suis au 45, il vient ici. Ouais, direct. Le 45, c'est là. C'est le bloc qui est au cœur de la cité. Et avant, comme je t'ai expliqué, tu vois, tout là, c'est rasé. T'as vu? Tout là, c'est rasé. Et bah, le bloc marron que tu vois là, il est allongé. Il y en avait un long comme ça. Okay. Et ici, il y avait deux espèces de cul-de-sac. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait un cul-de-sac là, un cul-de-sac là. Tu sais, c'était vraiment un secteur ici. Laisse tomber, Poincaré, c'est un truc de ouf. Bah, tiens, il a dit ça manque les bâtiments. C'est-à-dire que c'était il y a pas longtemps, ils ont. Ouais, c'est pas frère, il y a pas longtemps. Il y a un an et demi, ils ont vraiment tout rasé là. Il y a un an et demi. Ils ont relogé tout le monde, tu vois. Amant, t'as dit quoi mon bro? Tranquillement. Puis voilà, hein. Poincaré. Hein. Poincaré, c'est vraiment un caille-caille, Poincaré, tu connais. Il y a eu des histoires de fous ici, les vrais ils savent. Ouais. Les vrais ils savent. Voilà, les anciens ils savent. Bah tiens, gros, un truc, Reims. On connaît moins et tout, forcément. Un truc qui a différent ici, qu'il n'y a pas ailleurs, selon toi. Un truc qui différencie Reims de toutes les autres villes de France. S'il y en a, après, t'as eu peut-être pas. Ok, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a à Reims qu'il n'y a pas ailleurs?
En vrai, il y a beaucoup de trucs. Hein. En vrai, il y a beaucoup de trucs. Hein. T'as un festival ici dans cette ville-là. T'as un festival ici où t'as des gros artistes et tout qui viennent, tu vois. Ah ouais. C'est pas dans toutes les villes, t'as vu, que t'as des festivals qui se font, tu vois. Là, ils ont ouvert un arena. Il y a un Bercy qui a ouvert là, ah ici à Reims. Ouais, ouais. Y a une grosse piscine qui a ouvert aussi de fils de pute, de malade, une piscine de ouf. En fait, ils sont vraiment en train de. La ville, ils sont en train de la mettre en mode. Renouveau. Ouais, renouveau. Là, ils sont en train de vraiment faire un renouveau, mais partout. Même que ce soit dans les quartiers ou dans la ville même, tu vois. Même tu vas au centre-ville, tu vas voir, c'est un truc de fou. Ils ont vraiment tout refait. Alors qu'avant, c'était. Ouais, ouais. Là, on est dans une ville de champagne, en fait, t'as vu, on est vraiment dans une ville de champagne, tu vois, c'est ici que le champagne, il se passe, tu vois, les vendanges, tout ça, les gens, quand ils font les vendanges, ils travaillent de champagne, c'est ici, tu vois, qu'ils viennent. Et ça reste une ville riche, en fait, là, tu ressens plus que c'est une ville riche, c'est vraiment une ville riche, 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 t'as capté, vraiment, vraiment. Et là, ils sont en train d'appuyer sur ça en construisant, en rénovant partout, en faisant des... C'est au centre-ville, là, ils ont fait un parc, tu sais, pour que les gens, ils se baladent, tu vois, un espèce de couloir de balade, tu vois. Et en ville, c'est vraiment, genre, ils ont tout refait, lumière. C'est vraiment, vraiment, vraiment une ville, absolument une ville touristique en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ils l'ont transformé comme ça, avec le tramway, etc. Tu vois, ils ont vraiment tout transformé. Avant, c'était pas ça du tout. Avant, c'était vraiment les quartiers des années 80, 90. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'était voilà, bien ghetto. Avant, c'était vraiment comme ça, tu vois. Là, en fait, c'est pour ça que là, j'aurais trop aimé que tu serais venu à l'ancienne, comment c'était, tu vois. Mais attention, j'essaierai de t'envoyer des captures des endroits où on était, ouais. Mais avant. Vas-y. Comme ça, si tu pourras les mettre, la Google différence. Map, ouais, tu trouveras sur Google et tout, tu vois. Ah ouais. Mais gros, c'est un délire. C'est un délire. Ils ont vraiment tout refait ici, tu vois. Même là, on va aller au stade. Ici, on a un stade ici où t'as athlétisme, football, rugby, compétition, des grosses compétitions, tu vois. Ah ouais. Et c'est ici que ça se passe, à Orgeval. Okay, dans le quartier Orgeval. Là, t'as le collège, t'as le lycée. T'as été ici, toi ? Ouais, moi, j'étais là, moi. Ouais. Collège Colbert. On a fait Hala ici, tu connais. CPE nous déteste, mon frère. Je vais pas dire son nom, mais vas-y, va te faire enculer, voilà. Ça va, on était pas si turbulent que ça à l'école, mais c'était pas pour nous. Ouais, moi, ouais. Personnellement, c'était pas pour moi, je pense. J'ai continué, hein, j'ai fait des études. Hein. J'ai continué jusqu'au lycée, terminale. Après ma terminale, fallait bosser, tu connais, tu vois. Ah, bah ouais. Chez les darons, tout ça. C'est bien l'école, mais. Bon, tu rentres pas d'argent, frère, comment tu vis, tu vois, ouais, pas demander les soins à la daronne et tout, t'as vu. Obligé d'aller bosser, frère, tu vois. C'est aller bosser, après tu connais, hein, les affaires à droite à gauche, t'as des trucs, t'as eu aussi. Après on est à Reims, tu vois, il y a beaucoup de voyages ici aussi qui se font, tu vois. On est pas loin de Paris, pas loin de la Belgique, pas loin de Rotterdam aussi, tu vois. Les gens ils montent à Rotterdam direct. En vrai, on est venu de l'Allemagne ce matin, t'as vu, tu vois. C'est 3 heures, tu vois. En 3 heures t'es en Allemagne, en 4 heures t'es à Rotterdam. En 1h20, t'es à Paris, à Metz, tu me disais Metz, en 2 heures on est à Metz, tu vois, parce que les gens d'ici, par exemple les Algériens, le consulat de Metz, le consulat algérien il est à Metz. C'est-à-dire tous les Algériens ils vont à Metz quand ils vont au consulat, tu vois. Et Metz c'est là, ça ils y vont tout le temps, ça c'est. Metz c'est comme si c'était Reims en vrai, tu vois, les gens ils y vont là-bas comme si c'était Paris, tu vois. Mais ouais, le plus proche c'est Paris, ouais. Là, on est plus proche de Paris quand même. Justement, on parle de Metz. On parlait du Grand Est tout à l'heure. Ouais. T'as vu que les rappeurs sont peut-être pas forcément soudés entre eux, pourtant c'est une région qui a du potentiel. Ouais. T'en dis quoi toi? Bah moi je suis d'avis pour ça aussi, hein. Franchement je suis totalement d'accord. T'as beaucoup d'artistes du Grand Est qui ont du potentiel, un potentiel vraiment de ouf, tu vois. Mais qui seront pas mis en avant ou quoi, parce qu'ils sont pas de la capitale, tu vois ce que je veux dire. Or que je vois pas en quoi c'est la capitale qui va faire l'artiste, tu vois ce que je veux dire. Et là aujourd'hui je trouve que vu qu'on est arrivé dans l'ère où ça y est, les gens ils s'autoproduisent, etc. Ils ouvrent leur label, ils travaillent eux-mêmes, tu vois. Ça commence vraiment, hein, je pense, se développer un peu plus, tu vois. Après, il suffit vraiment que. Faut juste que les artistes ils assument d'où ils viennent, en fait, tu vois. L'artiste de Metz, s'il pète, faut qu'il assume qu'il vient de Metz. Faut qu'ils disent bien. Voilà, faut pas qu'ils disent je viens de Paris, voilà, je suis un mec du 19e ou je sais pas trop. Je dis que de la merde, frère, t'as vu. C'est un mec de Metz, représente Metz, frère, t'as vu. Il y a des gens derrière toi, ils veulent monter, c'est peut-être grâce à toi qu'ils vont monter, t'as capté. Moi, je suis dans ce mindset-là, en tout cas, tu vois. Moi, je te dis, c'est. Si je pète, c'est je fais péter ma ville, moi. T'as vu, je vais faire péter ma ville. Après, on ira s'exporter, t'as capté, mais de base, je reprendrai toujours ma ville. Derrière toi, mon ref. Le stade. Stade Georges Hébert. Ok. Là, c'est il y a un stade. Qui joue ici, ça veut dire. Il y a plusieurs équipes à Reims, je pense. Genre, Bah après en fait, ce stade-là, c'est pas un stade où tu vas avoir des gros matchs de, de trucs, mais tu vas avoir tous les entraînements. Tous les entraînements, généralement, ils sont là. De tous les clubs autour ici. Tous les entraînements, ils sont là. C'est ici qu'ils s'entraînent, les joueurs. Là, t'as l'athlétisme, t'as vu? Je crois, il y a une compétition aujourd'hui, je sais pas, il y a quoi. Là, t'as le côté, Paris athlétisme. Là-bas, t'as le côté terrain de foot. Mm-hmm. T'as deux terrains de foot là-bas. T'as le City aussi là-bas. On va aller voir le City. Bah, tiens, on va passer par là direct. Ouais, on va passer par là, regarde. T'as le City qui est là-bas, là. Et là-bas aussi, c'est là-bas que ça. C'est là où les choses se passent dans le foot. T'as vu? On va parler un peu foot. Moi, je suis pas footeux. Enfin, je sais pas que je suis pas footeux. T'as vu, je joue. Tu vois? Mais à chaque fois que je joue, les gens me disent quoi? Vas-y, retourne au studio, toi, frère. T'as capté ou pas?
Tu vois, donc vas-y, j'ai pas parlé, me dire vas-y, je parlais pour les footballeurs, tu vois. En général, c'est chaud de maîtriser les deux. Voilà, hein. C'est chaud de maîtriser les deux, t'as vu, mais voilà, ouais. Moi je maîtrise mon tout, en tout cas, je maîtrise mon truc, t'as vu. C'est pour ça que je dis ça aux footballeurs, genre, dis moi je maîtrise mon truc, frère. Toi tu maîtrises ton truc, mais moi je maîtrise mon truc, viens moi studio, tu vas voir. Viens moi studio photo, tu vas voir. On joue de temps en temps, tu connais, on joue, on décrasse, t'as vu, il faut. Hein. Ah, obligé. Il faut, tu vois, et puis ça fait du bien, frère, t'as vu, ça toujours mélangé entre nous, tu vois. La génération en dessous, la génération au-dessus. Ah! Tout à l'heure, tu m'as posé une question, frérot. Ouais. Tu m'as dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a à Reims? Ah, aussi. Qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais. Là, je viens de penser à un truc, frère. À Reims, en tout cas, après, je vais te dire Reims, mais je vais plus te parler de mon secteur, parce que moi, je suis de là, tu vois. Mais dans mon secteur, frère, la génération qui est là, la génération qui est moyenne, la génération à moi, la génération de mes grands frères et des plus grands, ça se mélange. Ouais. Mais pas ça se mélange bizarre, en mode le petit après fait mal avec le grand ou quoi. Non, non, non. C'est toujours avec du respect, toujours avec du. T'as capté ou pas? C'est juste qu'on est comme ça, frère. On est grave. En général, on est grave une niche. On se connaît tous. On est tous. Tu vois, s'il y a un problème, je connais le frère de lui, je connais un tel. Lui, il était au collège avec son frère, lui, sa mère, je connais. C'est direct, frère. Il n'y a pas de. Tu vois? Et je pense que ça, c'est pas dans tous les quartiers. C'est vraiment pas dans tous les quartiers que ça se mélange comme ça. Et que les grands arrivent à comprendre les petits, et que les petits arrivent à comprendre les grands, et que les petits respectent les grands, etc. Ici, c'est grave, grave, grave inculqué. Et un petit va faire mal avec un grand, on va le démarrer, frère. Et t'as un grand qui va manquer de respect à un petit. Le grand il est en tort parce qu'il je sais pas il rabatte quoi, on va le démarrer frère, t'as capté? Ouais, c'est vraiment comme ça que ça se passe, tu vois. Le City. Autre City. City bleu, deuxième City. Non, même pas, t'en as vu trois là. C'est on a vu les trois, ça y est, c'est le deuxième. On a vu le City jaune en bas. Ah ouais. Celui du milieu, je sais pas si tu montres celui du milieu où il y avait 45. Ouais. T'as vu le vert et le bleu il est là. Ok, ouais. Ouais, c'est bien. Et là c'est le stade en fait. Là c'est le stade. Tous les dimanches en fait c'est ici que ça se passe. Tous les dimanches, tout le monde est là. Ok. Tout le monde est là. Barbecue, ça fait barbecue ici. Bécane, tout le monde vient ici, t'as capté? Il y a des matchs là. Et vraiment le dimanche, bah, c'est ici qu'on organise les matchs, tu vois. On a organisé un match avec un frérot. Je sais pas si tu vois c'est qui le poteau 2S du 9-1. Ouais. On a invité le poteau 2S qui est venu aussi. Il est venu pour faire un match parce qu'il a organisé des matchs Grigny. Ouais. Il faisait Grigny contre un peu tous les quartiers de France. Ah, il est venu les ici. Quartiers de Paris, tu vois. Il est venu ici, il est venu à Reims. Ok. Tu vois. Grosse force au poteau 2S. Voilà, on est en bleu sang, mon frérot. Alors, ça joue ici ou quoi? Ça joue ici, frère. C'est ici que ça joue. C'est ici que quand ça fait des 11 contre 11 ou des 8 contre 8, c'est là que ça se passe. Synthétique en plus. Synthétique. Ça se voit. Et puis voilà, les gens se tatuent ici. Hein. Tu vois, en bas, t'as un terrain de rugby en bas. T'as beaucoup de clubs de rugby aussi qui sont là. À mort. Les vestiaires, ils sont là. En vrai, t'as vu, en vrai, je t'ai dit. Hein. Et là, tout ce qu'il y a derrière là, l'autoroute là, centre commercial. C'est-à-dire, il y a tout. Il y a vraiment tout ici. Il y a vraiment tout pour pas sortir de là en fait. Tu vois, c'est un piège, mais pas que. Soit t'es piégé ici parce que t'as tout. Et tu t'exportes pas dans l'autre ville, soit t'es un gars qui bouge quand même, tu vois. Ouais, moi je suis un gars qui bouge quand même, t'as vu. J'suis... Surtout dans la musique, hein. Ouais, surtout dans la musique, t'as vu, t'es obligé. Je pense que si tu restes à Reims dans la musique, c'est un peu chaud, non? C'est un peu chaud ou pas. Parce que ouais, comme je t'expliquais tout à l'heure, t'as vu, là aujourd'hui on est dans une ère où ça y est, les gens ils s'autoproduisent, ils n'ont pas trop besoin de venir de tel endroit ou tel endroit ou tel endroit pour percer, tu vois ce que je veux dire. Ils ont capté que le rap ça marchait par critères en fait, tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas capté, hein. Mais en tout cas, moi j'ai capté que. Ça marche par critères, tu vois. Tu peux être n'importe qui, frère. Tant que tu respectes tous les critères. C'est même pas en vrai respecter les critères. Hein. C'est que tant que tu as tous les critères qui font que tu es un artiste, en vrai, tu peux marcher. Pour moi, il n'y a pas de code spécial ou de venir de tel endroit ou tel endroit. Pour moi, si les gens ils sentent que tu es sincère dans ta démarche et qu'ils ressentent vraiment ta musique comme voilà, ils arrivent vraiment à se ressentir ou quoi, pour moi, ça peut que marcher. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Tu vois, ça peut être, je sais pas, peut-être, t'as des gaines, frère. Tu sais, des fois, ça marche juste avec les vêtements, t'as vu, il suffit que t'es mal habillé, frère. Ouais. Tu fais du bon son, mais t'es mal habillé dans le clip ou quoi. Ah, les gens, ils vont dire, ah, laisse tomber lui. Ouais, ça se voit, il fait pas attention. Tu vois ce que je veux dire, alors que tous les détails, il faut faire attention, frère. Faut rien laisser au hasard. Faut pas faire les choses à l'arrache, frère. Faut faire les choses vraiment préparées. Faut toujours préparer ses trucs avant de les faire, tu vois. Essayer d'être coordonné dans ses démarches, tu vois. Et c'est comme ça que t'avances. Pour moi, je t'ai dit, t'as eu, moi pour moi, je pense pas que c'est un frein d'habiter ici pour percer. Ou même de Metz ou même de Nancy, ouais, frère. Ouais, pour moi, non. Pour moi, ça, tu non. Fais tout, tu fais tout ici, studio, tout. Moi, je fais tout ici. Tout ici, hein. Après, des fois, je viens à Paris. Hein. Ouais, enfin, je suis à Paname, je suis à Paname. Et même les ingés là-bas, pour te dire, hein, même les ingés là-bas, quand j'arrive, parce que frère, t'as vu, on arrive là-bas, on y va de nuit, on prend 4 heures. En 4 heures, je fais 3 sons. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, déterre, hein. L'ingé il est en mode wesh frère la machine. Ça se voit que t'es pas de là toi, ça se voit que t'es pas d'ici toi, t'es pas venu pour rien. Ouais, t'es pas venu pour rien et puis que t'es pas d'ici, parce que généralement les gars d'ici, en tout cas de Paris, tout ça, ils viennent, c'est en mode usine, tu vois. Ils viennent, ils font un son, bam bam, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Comment... Mais chaque fois que j'y vais, n'importe quelle agence de Paname, il me dit directement, toi t'es pas de là toi.
Toi, t'es un mec de province. Ouais. Même par rapport à comment on travaille, en fait. On va travailler, moi et lui. Tu vois, ça va être fluide, en fait. T'as eu. Je vais savoir où c'est pas bon, où je me suis trompé. Lui aussi va savoir où. Je vais lui dire, remets cette partie-là. Tu vois, c'est-à-dire, ça va être des trucs juste instinctifs, tu vois, que plein d'artistes, pour eux, c'est l'ingé qui doit tout gérer. T'as capté? Ouais, Or que c'est toi aussi avec ton oreille qui dois. C'est sûr, c'est sûr. T'as capté ou pas? Après, ça dépend avec qui les gens ils viennent, au studio. Tu viens avec tes potes, tu viens en mode rigolade ou tu viens pour faire un. Créer quelque chose. Tu vois? T'as vu, c'est comment les gens ils perçoivent la musique. Moi aujourd'hui, t'as vu, comme je te dis tout à l'heure, je suis rappeur. Mais je suis artiste aussi, t'as vu? Ouais. Et c'est deux trucs différents. C'est vraiment deux trucs différents. Rappeur, c'est vas-y, je viens. Pareil, tu prends ton téléphone, on vient en clip là, boum boum, et je mets ça, je balance. Artiste, c'est un autre truc. Artiste, c'est un autre truc. Voilà, artiste, ça n'a rien à voir, frère. C'est un autre mindset, frère, d'être artiste, frère. C'est un autre mindset que d'être un rappeur, frère, pour moi. Tu vois, c'est comme ça que je vois le truc, en tout cas. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui voient ça comme ça aussi, tu vois. Et c'est pour ça que quand des fois on dit, ouais, je vais voir ce rappeur, c'est bien. Hein. Après, moi, mon avis n'est pas pareil. Vas-y, dis-moi. Moi, pour moi, rappeur, ouais. Il y a aussi un truc en plus, quand même. Tu vois, genre en mode rappeur, c'est que t'es accroché vraiment au rap, tu vois. Ouais. Parce qu'artiste, il y a beaucoup, ils sont plus dans l'art. Ils se disent rappeurs, mais ils sont artistes, tu vois. Je sais pas ce que tu dis. Je sais pas ce que je veux dire. Genre en mode, t'as vu, ils commencent avec du rap, mais après, ils vont se faire des sons de mélo, Et après, pour se justifier, ils vont dire, ouais, de toute façon, j'ai jamais été rappeur, j'étais artiste. Tu vois ce que je veux dire? Alors que rappeur, quand même, il y a quand même un truc où tu te dis, le mec, quand même, il a commencé avec le rap, il est toujours dans le rap, frère, il a pas changé de délire et tout. Et il y a un truc en plus aussi. Enfin, après, moi, c'est ce que je pense. Ouais, j'ai capté. Bah, regarde, je vais donner mon avis sur ça. Pour moi, l'artiste, quand il commence à rapper, t'as eu kiki, tout ça et tout, il se fait connaître comme ça. Si tu vois qu'à un moment donné, il part sur de la mélo ou quoi, ça se trouve, c'est parce qu'il se découvre et qu'il a kiffé ça, en vrai. Ouais, aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils vont tester une autre palette, tu vois. Mais ils vont kiffer. Ils vont vraiment kiffer. Ils vont pas, c'est pas juste le faire. Il y en a, ils vont penser que c'est juste pour gratter, t'as vu, juste pour faire un hit et voilà, marcher dans les streams et tout. Mais il y en a, ils kiffent vraiment ça. Alors qu'avant, ils étaient en mode rappeur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ils ont kiffé ça. C'est-à-dire, ils continuent à le faire et ils sont sollicités en plus. En plus, ils sont sollicités parce que c'est lourd. Donc, comment tu veux que le rappeur, il se dise. Donc, l'artiste maintenant, vu qu'il voilà, est artiste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment tu veux qu'il se dise qu'il prenne le recul, en tout cas, sur tout ça? Tu vois? Quand il sait qu'il venait du rap pur et dur et que t'en as plein qui leur demandent de refaire du rap pur et dur, mais lui, il veut plus faire ça, frère. Tu vois? Ouais. Yacine, ça va comment ça? Bien encore, Yacine! Mon Gaba, les gars, voilà, c'est carré, voilà. C'est le S. Voilà. Tu connais Reims, frère. Ça bouge même pas. C'est carré. 51, mon sang. Alors, mon ref, on arrive où maintenant? Bon, là, on arrive. On est toujours à Poincaré. Et là, on va arriver au radar. Là, le radar, c'est vraiment le cœur. T'as le premier cœur qui est la place Serma qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais là, t'as le deuxième cœur qui est où vraiment on se pose là. On se pose là, frère. C'est ici que. Tout se passe, tu vois. Wawa, ça vaut quoi? Là, on arrive au radar. Là, c'est l'endroit un peu, on va dire, chaleureux du quartier, tu vois. C'est ici qu'on se ressource, tu vois. Les frérots, à chaque fois, ils installent des bars, ils installent des barbecues, des cafés. T'as ce qu'il faut, hein. Et puis les gens, ils sont là. Voilà. Passons-le. Lui, c'est la brute d'ici. Lui, tu fais malin. T'es mort. Amir, ça dit comment? S, tranquillement. BG du quartier, tu connais, hein. Lui, tu peux le montrer doucement, les gars, doucement, les Fimbi. Comme dirait les potes, doucement, les Fimbi. Voilà, t'as dit quoi? Badr, il est là. Kara, t'as dit quoi? Tranquillement. Bar, nous! Lui, c'est mon S. Lui, c'est vraiment mon S. C'est le frérot. Lui, la mentale, tout, t'as capté. Ça va me parler. Lui, ça va me parler. Lui, s'il parle, en fait, il va aller tomber. Laisse tomber. Voilà. Il va vous éteindre. Bon. Yatim, tu connais Mohamed, tiens, tout à l'heure, tu me parlais de footballeur, frère. Ah ouais? T'as le frérot ligament croisé. Et c'est pas une blague, hein. Ah, vraiment. Check. C'est pas une blague, frère. Et ça arrivait il y a pas longtemps, Meskin, voilà. Mais tranquille, t'inquiète pas. T'as mis combien de temps avant d'enlever le truc? 2-3 semaines, hein, je crois. Ouais. 2-3 semaines, putain. La grâce. Après la rééducation, ouais. Puis voilà. Hein. Et tranquille. Solide, sénégalais. Tu connais, 221. C'est solide, frère. Voilà. Là, t'as Soussou? Soussou, lui, c'est la. Lui, c'est notre. Ouais, c'est Harry, lui. Lui, c'est notre Harry. Lui, c'est vraiment notre gars qui nous remet sur le droit chemin. T'as capté ou pas? Mais lui aussi, des fois, il. Lâche de hack. Ici, j'ai clippé ici. Le premier clip que j'ai fait, je t'ai parlé tout à l'heure, là, avec Livka, c'est ici qu'on l'a fait. Capuchin, on a fait une scène ici aussi. Zeref, qui a fait 6 millions, on l'a fait ici. Tout ici, hein. Tout ici, frère. Ici, c'est vraiment le. Je t'ai dit, c'est le cercle général. Tu vois? Là, je montre Titi, je viens. Mascotte du quartier. Je pense que tout le monde a une mascotte dans son quartier. Tout le monde a une mascotte dans son quartier. Nous, elle est là. Titi! T'as dit quoi? Ça va ou quoi? Abdullah, dis-le bonjour. Gab Morrison. Ça va ou quoi?
Il est Jujujul, mon frère. Jujul. Bah ouais, ça cale. T'as dit quoi, Titiche? Galère. Ça va ou quoi? Galère, voilà. Mets du son, mets du son. Il est là, les Titiche. Hey. Donc là, t'avais le premier secteur du radar, tu vois. Et t'as la deuxième partie ici. Ouais. Où t'as la génération d'en dessous qui se pose là, t'as vu? Ok, ok, ok. T'as vu, je t'ai dit, on est pas. On est on traîne ensemble, tout ça, mais tu vois, chacun quand même à ses coins, t'as vu? Ouais, normal. Hein, normal, tu vois, normal. Mais sinon, on est toujours mélangés, tu vois. Là, là, on a dit bonjour à au moins 3-4 générations qui étaient ensemble, ouais, t'as capté? Ouais, ouais. Là, t'as la génération qui est là aussi, tu vois? Ouais, ouais. Et ici, pourquoi, à ton avis, on a appelé ça radar ici? Pourquoi? Parce que ça surveille ici. Exactement. T'as vu, en fait, ici, quand t'es là, tu vois tout arriver, en fait, tu vois. Ah, comme ouais. Tu dis, c'est la rue principale, tu vois. Et vu que, en vrai, c'est nous les radars, tu vois, c'est nous les flashs, en fait. T'as vu? Ouais. C'est nous qu'on considère comme un radar, tu vois. Et c'est ici le radar. Tu passes ici, tu fais flasher, c'est obligé, on t'a vu. On t'a vu passer, frère. Tu vois? C'est ça, mais du coup, c'est grand. Comment un peu Orgeval? Ça va jusqu'à où? Ah, c'est grand, frérot. Là, je t'ai dit, t'as vu, tout à l'heure, on marche, on a fait 3 secteurs, mais on est rentré au milieu des secteurs. Si on fait les bords, laisse tomber. Ouais, là, on va attendre toute la journée. Ça, c'est la gênée. Ça, c'est la gênée. Il faut pas gêner, là. On n'est pas gêné, c'est la gêné. 02 gêné. C'est carré. Ouais. Allô, comment on est là, quoi? Ok, moi. Lui, là, filme-le bien, lui. Ah. Zako, lui, il a fait péter la traîne sur TikTok. Ah. Parce que la traîne, elle a pété. T'as vu le son qu'on parlait tout à l'heure, là? Ouais. Il a repété sur TikTok, c'est lui, il l'a lancé, l'enfoiré. Ah, bien. Il a fait bien, un petit bien. Son, je sais pas, il a que des meufs sur son truc. Ils ont relancé le bail. Ra. Allez, traîne TikTok, premier top 1 pendant au moins 20 jours. Allez, vas-y, quoi, mon S. Lui, là, quoi? Tara, Kicker, MSK. Tu connais. Présente-les-nous un petit peu. Ah, ils vont se présenter. Ils vont se présenter, vas-y. Voilà. Après, ça dit comment S, ça roule ou quoi? Voilà. Venez un peu, les gars. Venez. Vous avez sorti. Y'a qui rappe alors, ça veut dire là parmi vous? Y'a lui, hein. Y'a lui aussi, hein. Mode rappeur, hein. Tu connais, ça rappe un peu. Y'a eu des clips ou pas encore? Ouais, y'a un clip. Ouais. Toi, tu rappes toi aussi ou quoi? Ouais, vous êtes ensemble ou vous rappez? Ouais, c'est comment vos blazes? 10.6, hein, c'est ça. 10.6? Ça veut dire quoi ça du coup? C'est ici, hein, c'est les acteurs d'ici, hein. C'est ce bâtiment-là exactement. Ouais. Le 106, t'as capté. Et c'est là qu'on se pose exactement. Il y en a d'autres un petit peu des rappeurs ici à Paris ou quoi? Ici en vrai. À Orgeval. En vrai, il y en a plein. Il y a Keché. T'as Blata qui est là aussi. MSK. T'as Taha qui est là. T'as le Yah aussi. Franchement, t'as du monde ici qui rappe, tu vois. Ils ont commencé là aussi. Hein. Ça fait pas des années qu'ils ont commencé. Mais ouais, ce qu'ils envoient, laisse tomber, frère. De toute façon, tu connais, je vais t'envoyer les liens. Bam, 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 bam. Obligé. Tu vas voir comment ça envoie du pâté, tu obligé, vois. Comme je t'expliquais tout à l'heure sur le bail de Grand Est, il n'y a rien à envier avec tous ceux qui habitent à la capitale ou quoi. Il y a de la direction artistique, il y a de l'originalité. Ils ont leur timbre de voix, ils ont leur style. Et voilà, y'a rien envie à personne, t'as vu, ça pose, ça kick, sale. Avec un bel dans le vaisseau, le compteur il affiche 200. Faut tous la cahier derrière la cam. Mais devant nous, Y que des 200. La Asba est passée, c'est excellent. Des plans en asté, puis pour se refaire. Radar, c'est le Mirador, 3-8, ça repère. On t'envoie des grandes bosses comme ton père. Ça tourne dans la ville et ça date pas d'hier qu'on a zoné dehors. Y'a Steve Mu, AZK, y'a Jones. 300 jades de vie, ça ouvre pas la bouche. Belle avec le passage, il chasse comme des loups. J'ai calé ma course dans la baisse comme des loups. Suzé cru à Steve Mu, AZK, y'a Jones. 300 jades de vie, ça ouvre pas la bouche. Belle avec le passage, il chasse comme des loups. J'ai calé ma course dans la veste comme des louches, je suis APC, j'ai roulé une teuba. Chez nous, la barre de traction fait office de batte. On t'arrache la tête, saison poussée tes couilles. Troisième Kama, je me crois à Singapour. Comme coup sec dans le four, j'ai détaillé combien j'y bats dans ma tour. On le fait pour les sous, parle-moi pas si tu suces. Y'a des vendeurs de bédo, des vendeurs de snus. On le fait pour les sous, parle-moi pas si tu suces. On a grandi et pris du galon. J'arrive, je vais Arthur, je vais péter des galons. Fréquence aussi, c'est banal de les voir galop. Elle fait la halette, toute la zone sait que c'est une salope. Elle fait la halette, toute la zone sait que c'est une salope. Si tu veux un délire, parce que au quartier c'est OP. Bellec à la cam, sinon c'est le JOP. J'ai sorti mon chat, s'ils étaient POP. Le plan est carré, s'il est analysé. Les voir courir, ça choque plus, c'est banalisé. Dans ce truc, je peux venir la charcler. Pour les boulots, bail dans le mur de la 2, on va le racler. Travail peu pro, jamais bâclé. Dans la cahier, je suis resté concentré. Malgré les faux postes qui veulent tacler. L'humain est mauvais, on m'a prévenu. Donne pas ta confiance au premier venu. Les stars chez nous sont pas les bienvenus. J'achète sans G, je détaille et je recommence. Viens pécho ta dose, pas besoin de redonnance. Midi pile, je me suis pointé. J'ai fait les 1000 pas sans gratter. Quand j'étais en bas, dis-moi où t'étais. À force d'abattre, on compte même plus les journées. J'y t'étais. Oh, lui, c'est mon gars, Lazelé. Tu connais que chez. Il est dans le rap depuis à peu près 2 ans là. On a déjà fait un son ensemble qui s'appelle Ghetto. Disponible sur YouTube et plateforme de téléchargement. Il a un son très très méchant, accompagné de Blata qui est là aussi. Tu vois. Lui en ce moment il est en stand-by, là faut le laisser. Il est en train de travailler le bail. Tu vois pas, il est en train de whipping. Mais Keché là c'est méchant. Keché là c'est méchant, il va vous montrer ça de toute façon. Il n'y a pas besoin de trop parler. Carré, tu fais écouter un petit truc. Allez.
négo si j'en viens paralysé. C'est quand nous deux y'a pas eu les bonnes paroles qui se donnent. On se fait pas hagarer nos gens. Donne du respect, les dames qu'on fait c'est pour nos vieux, c'est pour eux depuis qu'ils se donnent. Tiens frérot, tu me parlais de s'exporter aussi toi. Tu parlais de s'exporter, ouais. Tu penses quoi de ça, de sortir? Il y a beaucoup d'artistes de province, ils vont s'exporter à Paris, à Marseille. Ouais. Ça pour faire leur son, t'en dis quoi toi? Bah en fait, t'en as plein qui y vont pour se dire en gros que peut-être qu'ils vont réussir en allant sur la capitale, tu vois. Mais ils reviennent vite à la réalité. T'en as pas beaucoup pour qui ça marche, mais t'en as plein pour qui ça marche pas. Ils reviennent directement où ils habitaient avant, tu vois. Et puis après, ils font un peu le topo, tu vois, aux gens de chez eux, en leur disant que voilà, j'ai été là-bas, sur Paris. Tu sais, Paris, ça va vite. Hein. Moi, je connais Paris, tu vois. Paris, ça va très très vite, t'as vu, ça va très 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 vite. Y a beaucoup de rappeurs, t'as beaucoup d'artistes, t'as beaucoup de. C'est mouvement, t'as vu, aujourd'hui on connaît, demain il y a autre chose à faire, t'as vu, c'est plus comme ça, tu vois. Et dans les provinces, c'est pas cette mentalité là, c'est-à-dire que des fois t'as des mecs de province qui vont aller à Paname, tu vois, t'as des mecs de province qui vont aller sur Paname, mais ils vont pas jauger par rapport à la rythmique de là-bas, tu vois. Paris ça va vite, ouais, tu vois. Ouais. Mais c'est pas la même mentale, tu vois, c'est pas la même mentale, nous on est... T'as vu, hein, que ce soit dans le nord, tu vois, que ce soit à Roubaix, etc. C'est pareil, frère. Les provinces, c'est les mêmes. On est tous des rageurs, frère. T'as vu, on est tous des mecs de. On sait d'où on vient, tu vois. Et il n'y a rien à envier à autre part, tu vois. Après, quand je dis exportation, c'est quand pour moi, quand ça y est, t'as acquis. Quand moi, j'aurais acquis ce que j'ai acquis ici, tu vois, en termes de notoriété, en termes de puissance, là, je pourrais m'exporter. Parce que là, ça y est, j'aurais de quoi ramener. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, partir là, aller chercher un truc. Que pour moi c'est ici que de base que je dois chercher, c'est pas cohérent, tu vois. Je vais à Paname, je vais faire juste des contacts, t'as eu. Quand je vais à Paname, je fais juste des contacts un designer, un mec qui fait des clips, un mec qui fait ça, quoi. Moi après ici j'ai toute mon équipe qui me fait. Ouais, ici t'es, en plus t'es chez toi, ah, hein, voilà, ouais, c'est déjà ça, frère. T'as vu, c'est clairement ça, frère. Je suis chez moi. Et puis voilà, c'est ici que mon aspect elle démarre. C'est ici que les histoires que je raconte. Dans mes sons, elle se passe ici, tu vois, elle se passe pas ailleurs, tu vois, en fait. Pourquoi j'irais raconter la vie d'autre, ouais. Tu vois, ou la vie d'une autre ville, je suis pas, tu vois. En tout cas, les rappeurs, ils ont pris conscience aujourd'hui, en tout cas, les rappeurs de cette ville-là, ils ont pris conscience que s'exporter, c'est bien, mais faut pas y aller pour s'exporter et se mettre tout nu, entre guillemets, ouais, tu vois, ouais, ce que je veux dire. Va, prends tes contacts et reviens. Et avec les contacts que t'as pris là-bas, viens travailler ici avec. Ouais, ramène-les ici, c'est ça. Ramène-les ici. C'est ça, c'est ça. Ramène-les ici, il y a de quoi faire. Et dès qu'eux, en plus, même eux, dès qu'ils viennent, les parigots ou quoi, dès qu'ils viennent, ils voient qu'il y a grave des trucs. Ils se disent, putain, il y a plein les spots ici, il y a plein les trucs. Même eux, ils sont en mode, ouais, il y a des bails ici, tu vois. Que eux, là-bas, t'as vu, ils ont pas, tu vois. Tu connais Paris, t'as vu, c'est les mêmes rues, frère. N'importe quelle rue, c'est les mêmes rues, t'as capté, ouais. Tu vois, nous, c'est pas les mêmes rues, frère. Tu vas avoir une rue, elle va être belle, tu vas avoir une rue là-bas, elle va être crado, tu vas avoir une rue, elle va être comme ça. Paname, c'est toutes les mêmes rues, frère. Enfin, voilà, ma conclusion, elle est que. Battez-vous pour votre territoire. Représentez d'où vous venez. Représentez d'où vous venez. Exactement. Allez pas faire les mecs de Paname quand vous n'êtes pas de Paname. Exactement. Frère. Allez pas faire les mecs de je sais pas où alors que vous êtes des mecs de je sais pas où. Tu viens de Reims, je représente Reims. Si je viens de Paris, je représente Paris. Exactement. Vous êtes des mecs de Reims, frère. On représente Reims depuis toujours, frère. Et ça bougera jamais. 5100 à la mort, frère. T'as capté ? Et je suis grave fier aujourd'hui de représenter la vidéo. Reims. La toute première vidéo de ma vie que je fais à Reims, voilà, ça a été exactement. Casse. Et c'est pour ça que je suis fier, frérot. Et je suis content que tu m'aies contacté, mon gars. Ça m'a fait super plaisir quand tu m'as envoyé ce message. Ça m'a fait super plaisir. Et voilà, aujourd'hui on est là, on est content, frère. Voilà, je t'ai montré un peu ma cahier, tu vois. Hâte que tu reviennes dans 2-3 ans avec pour plaisir. Un petit chihuahua. Ah ouais, les gars, ils seront réveillés un peu là. T'inquiète même pas. Tout à l'heure, je te parlais d'exportation artistique. Moi, je suis acteur aussi à mes temps perdus. Ah ouais, ouais. T'as fait quoi, tiens, raconte un peu. J'ai fait un court métrage. Il n'y a pas longtemps là, j'ai fait un court métrage qui s'appelle Baku, qui malheureusement il sortira pas sur YouTube. C'est pas un court métrage qui sort sur YouTube, c'est vraiment un truc qui va en festival, festival du cinéma, etc. avec des gros réalisateurs, tu vois. Pareil, le réal là qui m'a pris pour faire le personnage principal, Stéphane, grand big up à Stéphane, gros big up à Stéphane. Merci mon frérot, c'est un gars d'ici, c'est un gars d'Orgeval aussi. Pareil, il s'est exporté, lui il s'est exporté par contre à Paname, il est parti à Paname. Lui c'est pas la musique, hein. C'est vraiment la réalisation de films. Madame, il a fait des études dans une école de réalisateur, tout ça. Et puis il est revenu me voir ici, il m'a dit écoute frérot, j'ai un personnage principal pour toi. Il m'a envoyé le script, il m'a dit tiens, il m'a parlé d'idée. Il m'a embarqué avec lui à Paname pendant 3 jours. Tournage intensif avec une grosse équipe de tournage, etc. Tu vois. Le court-métrage, il sera, j'espère, disponible dans l'année dès qu'il aura fait le tour des festivals, etc. Tu vois. Et t'aimerais bien te mettre plus à fond dans l'acting un peu ou... bah, c'est vraiment ouais, un truc secondaire pour toi. Ouais, bah après, c'est pas que c'est secondaire, il n'y a rien qui est secondaire en vrai de vrai, il n'y a rien qui est secondaire. Tout ce que tu sais bien faire, c'est pas second. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est acquis. Tu vois, t'as juste à après savoir.
sur quoi tu vas appuyer le plus, tu vois. Moi j'appuie fort sur la musique parce que je suis bon dans ça, tu vois. Mais l'acting aussi, j'ai un petit niveau aussi dans l'acting qui fait que je peux pas ne pas mettre de pourcentage là-dessus, t'as capté. C'est pour ça que faire la part des choses, frère. Faire la part des choses, faut commencer à se diversifier. Et c'est ce que j'apprends moi à mes petits refs ici, à se diversifier, ne pas avoir peur d'avoir d'aller tester un truc, ne pas avoir peur d'aller tester quelque chose que tu connais pas. C'est là que tu vas voir si t'es chaud là-dedans ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu testes. Tu vois? Et c'est ce que j'inculque moi à mes petits refs ici, que les gars, faut s'exporter, frère. Y a pas de. On est dans une ville où on peut aller partout où on veut, comme je t'ai dit. Hein. 2 heures, Belgique, 3 heures, Allemagne. 4 heures Amsterdam, 1h30 Paris, tu peux descendre en bas, Strasbourg, c'est là, Metz est à côté, on est au milieu de tout, frère. T'as capté, on est vraiment au milieu de tout. Il y a de quoi s'exporter, frère. AKX, lui, bien AKX quoi, dans la maison. Le bec, ça caillé. Lui, tu connais. T'as vu tout à l'heure, je t'ai présenté la mascotte du quartier. Mais c'est pas la mascotte du quartier, lui, c'est le. Pareil, c'est un monument, frère. C'est un monument. C'est le monument, ça. Chacun, c'est lui. Caillé, voilà, c'est un monument, caillé. Frère. Il passe, tu sais qu'il est là, chacun. AKX, mon sang. Voilà, tu connais. C'est le camp, c'est un vrai monument. C'est carré, c'est carré. Un gars, il est vrai, un putain de gars vrai. Il y a pas de. T'as vu, comme je t'ai expliqué, on est un quartier, frère, on est vrai. Il y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment entre nous, t'as vu? C'est le truc qui reviendra tout le temps, de toute façon, quand tu vas poser avec quelqu'un, on est entre nous, frère. Je ne parle pas de shit, le tien c'est que du popo, de temps sur la moto, pour la castagne, bise bien les chicots, j'appelle Jimmy Bobo. Lui c'est mon gars Jimmy, t'as capté? On l'a fait en famille, mon frère, Wallah. Wallah, depuis qu'on est petit décassé rap, il a pas lâché. Wallah, il a toujours été là, on lui a dit de toute façon, si tu vois, si tu lâches, t'es mort, ils m'ont dit. Il faut s'exporter, tu vois ce que je veux dire, faire des clips, investir, Wallah, on l'aidera tout le temps. Parce que Hakrabi c'est un mec qui vient. Il vient voir les gens, je sais pas, il va prendre la picra ou il va prendre ça. Il va venir, il va dire les gars travailler, ouais, les petits faut bosser, ouais, les petits faut faire ça. T'as capté, il y a des rappeurs, ils sont dans des films. Lui, ça, il a la tête sur les épaules, t'as capté, il a une famille, il s'occupe de sa famille, il a le temps pour venir au quartier aussi. Tout ça, nous on le voit, t'as capté, on sera toujours derrière lui. Et voilà, on est au quartier, on a grandi ensemble. Et voilà, c'est chaud ici, attention. C'est chaud. Et en plus, là, pour rajouter un petit truc aussi, voilà, comme il a dit, la tête sur les épaules, tu vois, il essaie de faire en sorte que dans le quartier, on ait un peu tout, genre un petit local, tout ça. Il veut vraiment faire un vrai truc carré, tu vois. Il laisse pas les gens dans la merde. Frérot, il vient, ma gueule, grâce à lui, t'es venu, frérot. Ah, bah, ça fait plaisir. Frérot, t'es venu, alhamdoulilah, on le remercie. Ça fait plaisir. Moi, ça exporte le quartier, on sait c'est où. Ça tue. En tout cas, les gars, moi, je suis pas là pour parler de Tekas, même si c'est exceptionnel ce qu'il fait. Moi, je suis là pour parler des frérots, cucu, la famille, c'est bientôt la sortie. Katou, tous les frères qui sont à Habs, les gars, c'est bientôt. Vous serez bientôt avec nous, Stick Mou, Wallah, mon sang. Vous serez bientôt avec nous, les frères, Wallah. Ça, c'est pour vous, ça, mes sangs. T'es carré, les frérots. Vous allez sortir, t'es carré. C'est carré la ligue. C'est carré la ligue, on est ensemble. Là, c'est les anciens, tu connais. Le manager Wally, c'est lui, il s'occupe de moi. T'as vu? Je le montre. Première fois qu'il se monte, il y a Damo, il se monte même pas, frère. Et là, il va t'éteindre parce que c'est Gab Morrison, il va se monter aujourd'hui. C'est lui, il s'occupe de Wam ici. Depuis un bon moment, frère, il a fait tous mes clips. Sur tous mes clips, vous allez voir Turito. C'est lui. C'est lui. Tout le monde le connaît à Reims. Incontournable, frère. Tu vois? Lui, c'est mon frère Papi. Président de l'assaut Radar Record. C'est fait exprès. C'est quoi alors? C'est Radar Record, bah, tu vois, c'est une assaut hein, pour les jeunes, pour l'écriture, ceux qui veulent faire des sons, pour les accompagnes. Ce qu'on conserve même, Inch'Allah, tu vois, s'il faut. Donc voilà, on essaie de structurer la chose pour les jeunes, pour qu'ils s'en sortent un peu, donc galérer dans les quartiers et tout ça. Donc on les accompagne artistiquement parlant, on les a concerts, à écrire, à apprivoiser la scène, à faire des instruments, ouais, l'instrumentation, tout ce qui est derrière la musique, tu vois. Un G-son, comme une formation, on va dire, tu vois. Donc tu viens chez nous, on essaie de te faire un técasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire, l'exemple, tu vois ce que je veux dire. Voilà, parce que moi, c'est mon petit frère, donc du coup, bah, l'exemple, c'est lui, tu vois. Il y a du potentiel partout aujourd'hui, tu vois. Parce que les jeunes, c'est pas que Paris, tu vois. Je veux dire Paris parce que c'est la capitale, tu vois. Mais il y a du potentiel partout. T'as des gars qui font des sons qui tuent, on les connaît pas. Ils ont pas d'affluence, de fou, alors que leurs sons, ils tabassent, tu vois. Je sais pas, je vais donner un exemple comme Jarod, tu vois. Jarod, pour moi, tu vois, costaud, mais pas très reconnu. Niro, c'est. Tu vois, nous. Niro 45, Niro, c'est beau, hein. Niro, c'est bon, 45. 41. C'est à côté, ah, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Il est né dans le 45, ça compte pareil. Voilà, nous on écoute de ouf, tu vois, parce que c'est dans mon délire, tu vois ce que je veux dire. Voilà, après mon ref, pareil, tu vois, je le kiffe parce qu'il fait des putains de sons, c'est sensé, pas de glaire, tu vois ce que je veux dire. Voilà, le but aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Dans le quartier Cheval, les gens, ils savent qui on est. Souvent, tu vois, dans notre région, c'est très respectueux, mais faut pas trop nous. Tu vois ce que je veux dire, hein. Faut pas trop rentrer dans les creux, sinon, voilà, quoi, tu vois. On passe en mode off, t'as vu. Donc, voilà, comme ça, c'est côté. Pareil, c'est sur le truc. Sur la question de tout à l'heure, ça rentre en compte. On a un quartier,
on est grave gentil, on est Nessem Lair comme on dit. Voilà. Mais il y a des gens très très dangereux aussi, qui ne vont pas trop titiller. C'est un des plus gros quartiers de Reims, on va dire ici. C'est pas le plus gros quartier de Reims. Un des plus gros. Un des plus gros quartiers de Reims. Les plus réputés, on va dire. C'est ça. Les plus réputés aussi également, tu vois. Depuis longtemps, depuis des années, tu vois, depuis des anciens frères. Et puis voilà, depuis toujours, ça n'a pas bougé. Tu vois, mon frère qui est là, c'est... Tout à l'heure, je t'expliquais un peu la génération d'avant, il n'y a que lui qui peut t'expliquer comment c'était avant, ici, tu vois. Quand il y avait les blocs et tout, je t'expliquais. C'était laisse tomber, c'était vraiment... Ouais, les jeunes, c'est pas la même génération, tu vois, nous on était soudés, tu vois. C'était une quarantaine posée là, tu vois, sous chapiteau, tu vois. Là ils ont détruit, tu vois. Ils ont détruit chapiteau, tu vois, mais avant on était posés là, on faisait nos jazz. Quand il y avait une baston ou une embrouille, bah, ça descendait à 40, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, pas de baratin, hein. On a fait notre temps, tu vois ce que je veux dire. Et puis pareil, hein, aujourd'hui il y a les petits qui ont la relève, tu vois. Nous ça nous fait plaisir. On est toujours soudés entre nous, tu vois. Donc le lien c'est lui, d'autres gars, tu vois. Surtout, tu vois, le respect, c'est plus important, tu vois, pour nous. Alors je vois, tu vois, il y a deux mosquées, le respect, tu vois. Nous, les meufs qui se trimballent un peu, gna 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 gna, chez nous, ça n'existe pas. C'est, tu vois, faut respecter les codes, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que j'ai pas soulevé le point là tout à l'heure, il y a deux mosquées ici. Deux mosquées Argeval, t'as une mosquée qui est en bas tout à l'heure à côté de chez Arthur, où on était la supérette, et t'as une mosquée qui est pas loin du terminus, la nouvelle mosquée qui était en construction depuis des années. Elle est enfin ouverte, elle est balèze. Elle est aussi balèze que qu'on a vu la MJC tout à l'heure, l'aéroport que je t'ai montré là. Aussi balèze que ça. Bah, tu vois, comme les barbecues, tu vois. De temps en temps, tous les mois, on essaye de faire un petit événement gratuit pour les jeunes, pour qu'ils sortent un peu de leur galère, tu vois. Ils se retrouvent autour d'une table, ça reste un peu toute la nuit, on met un peu de musique, on lui fait découvrir ses sons, tu vois. Donc on essaie de faire un peu de mouvement, tu vois, parce que c'est un peu... Hein, t'as vu, c'est Champagne Ardenne, hein. C'est Champagne, la haute société, bling bling. C'est bling bling, tu vois. Bling bling, c'est... Donc on essaie de sortir de tout ça, tu vois, les jeunes, pour qu'ils aient un peu d'horizon, tu vois. Pareil, même pour le taf, ou plein de trucs comme ça, on essaie de les aider, tu vois, pour qu'ils trouvent un taf, tu vois. Comme dans le ferroviaire, aujourd'hui, t'as des jeunes qui prennent 3000 euros, bah, c'est bien pour nous, tu vois, on est fiers d'eux, tu vois ce que je veux dire. Ils sont là, ils payent le loyer des parents, ils sont carrés, tu vois, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire quand tu les vois. Voilà. Et après, bien sûr, tu restes un gars de cachet. Un gars de quartier, bah, il a ses vis de quartier. C'est du... Voilà, c'est ça. Bah, des fois, ça titille. Des fois, ça titire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je t'ai dit, tu vois, je t'ai dit. C'est des quartiers. C'est ce qui fait l'âme d'un quartier, tu vois. Mais au final... Alhamdoulilah, tu vois, comme on dit chez nous, tu vois. Le positif de tout ça, c'est... Le positif, c'est qu'il y a toujours plus de gens bien que de gens mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Le pourcentage, il est plus dans le positif que dans le négatif. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils retiennent que le négatif. Ah, c'est ça le problème. C'est ça. Ah, oui. Même aujourd'hui, t'as vu, les gens, ils sont que dans le négatif. Ils voyaient pas aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, faut... Tu vois, des mecs comme toi, tu vois, je prends l'exemple de toi, qui va dans d'autres quartiers, qui parle avec d'autres personnes, qui découvre. Même toi, tu mûris. Ouais. T'as capté ce que je veux dire? T'as des milieux de tournage, gros, tu parles avec eux, y'a rien dans le caillou. Et j'en connais. T'as bien sûr que je t'en connais, et frérot. J'en connais. Y'a rien dans le ciblon, t'as vu ce que je veux dire? T'as beau parler avec l'unaire, y'a rien, frérot. C'est rien, non, mais c'est vrai, frérot. Là, moi, tiens, il est dans la chope. Il est puni dans la chope. Là, il est puni. C'est rien, je sais. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, tu vois, réveiller, tu vois, faut qu'on soit réveillé, tu vois. Et voilà, alhamdoulilah, ouais, quand même, on est ensemble, tu vois. Donc, en tout cas, force à toi, voilà, ça fait bien plaisir vu, que tu me régales. La vérité, tu viens quand tu... Ah bah, grand plaisir, à grand plaisir. Voilà. Tes passages. Tu viens, tu vas passer une minute, dix minutes, tu viens. À grand plaisir, à grand plaisir. Quand je sais que je passe à Reims, je dois passer ici. Voilà, je vais le direct. C'est obligatoire. Personne qui va te faire un truc. Voilà. C'est carré. C'est comment, de retour au radar, c'est ça? Ouais, toujours au radar. Ça prépare qui, barbecue, etc. Ça prépare un barbecue, tout ça, tu vois. Voilà, c'est comment? On va dire là. C'est le début de l'été, tout ça. C'est comment un été à Orgeval, on va dire? Ça fait quoi en général? C'est comment? C'est le Bronx, hein. Tous les secteurs, ils sont réveillés. Là, c'est le centre du quartier, tu vois. Il y a des frérots, toujours, ils organisent des petits trucs l'été, tu vois. Pour les jeunes, pour tout le monde. Et voilà que Orgeval, en été, frère, c'est incroyable. Folie. Voilà. T'as là, il me posait la question tout à l'heure. Il me disait, ouais, qu'est-ce qu'il y a à Reims qu'il n'y a pas dans les autres quartiers? Ouais, t'as entendu quoi, toi? C'est la solidarité entre nous. Qu'est-ce que je t'ai dit, mon gars? La famille. Qu'est-ce que je t'ai dit? On est là, on se mélange tous, mon frère. Il n'y a pas de manière entre nous. T'as vu? On est solidaires entre nous, alhamdoulilah, tu vois. Toute génération en plus, tu vois. Après, voilà, tu vois, il y a des petits trucs à droite, à gauche, voilà, qui font que ça sépare des gens. Mais on a toujours un centre entre nous. Toutes les générations, depuis 1980, frère, on parle avec des anciens des fois et tout. Sur le corps en 1979, tout ça. Eux-mêmes, ils nous disent exactement la même chose. Même le mental, mon frère. Voilà. C'est grave, tu vois. Orgeval, ça va pas changé en fait, tu vois. La génération de lui ou de moi, ça va pas changé. Après, alhamdoulilah, tu vois. Après, tu vois, heureusement qu'il y a eu des frérots TK, tu vois. Alhamdoulilah, tu vois. Il s'est fait connaître solo, tu vois, dans la ville. Alhamdoulilah, Yarabbi, c'est lui le. En vrai, tu vois, le rap,
à Reims, frérot, c'est le poteau, frérot, tu vois, qui a tout fait ma gueule, tu vois. Il y a eu des clips qui ont fait 6 millions de vues sur TikTok, trend numéro 1 sur TikTok. T'as capté ou pas? C'est quoi cette histoire de trend? Ah ouais, on n'a pas parlé de ça. Tu me l'as dit vite fait quand t'as ouais, on n'a pas parlé de ça. Frérot, bah, tu vois la mixtape de tout à l'heure que je t'ai parlé, de 121K. Et bah, j'ai remis le son de Panda. Tu vois le remix de Panda? Tu l'as remis dans la mixtape? J'ai mis dans la mixtape, mais j'ai changé la prod. Ouais. J'ai mis une autre prod, tu vois, j'ai fait une prod un peu drill, tu vois. Et elle a pété sur TikTok. Ouais. Ouais. J'ai passé devant Jules, devant Niro, tout. Top 1. C'est quoi la phrase? 20 jours. C'est quoi la phrase qui a fait. Je veux le beurre, l'argent du beurre, il est qu'à Mojito. Voilà. Ah oui, ouais. C'est la phrase là qui a fait laisse tomber, frère. C'est-à-dire, les gens, ils l'ont pris, ils ont pris la phrase, ils l'ont sorti du contexte. Et chacun, il mettait son délire, tu vois. Et vraiment pété, frérot. Y'a personne, même dans des grandes villes, frérot. J'ai des connaissances dans des grandes villes. Là, les rappeurs, ils ont pas autant pété que sur des applis comme ça, frérot. Après, ce qu'on me dit, le plus dur, c'est pas de faire le buzz avec TikTok, c'est de le garder. Le plus dur, c'est de garder. Bah, moi, de toute façon, je vais pas te mentir, c'est venu comme ça. TikTok, c'est pas mon point d'accès global, tu vois. J'ai surfé un peu dessus en travaillant avec TikTok, t'as vu. Parce que tu vois, après, ils m'ont contacté directement quand j'ai fini de promettre de la traîne. Ils m'ont contacté directement pour faire des collaborations. Ils m'ont fait ils m'ont dit d'envoyer une bannière TikTok pour être en bannière sur TikTok. Ils m'ont envoyé ils m'ont fait une affiche dans leur story Instagram, etc. Tu vois, il y avait plein de trucs aussi à faire avec eux parce que même eux aussi, c'est leur rôle aussi d'aider l'artiste à suivre l'avancement de son TikTok, tu vois. Et c'est leur but à eux de faire ça, tu vois. Donc ils m'ont un peu poussé aussi à jouer dessus. Mais tu vois, moi j'ai pas fait le mec qui a croqué dessus, qui a appuyé et tout. J'aurais préféré que ce soit un autre son qui pète en vrai de vrai, si tu veux savoir. Après, faut pas dire que c'est que sur TikTok qu'il a pété, tu vois. Ouais, sur YouTube, bah ouais. Tu vois, il y a 6 millions de vues sur ce son là, mon frère. Tu vois, ça fait déjà des années, depuis 2000. Ouais, et bah ça fait 6 ans. 2016, chaque année, moi, chaque année, il y a un million. Ouais, depuis 2016, ça, ouais, frère, chaque année, il y a un million qui se fait. Ouais. Tu vois, tellement. Pour te dire, il a pété ce son là, il a pété sur Musical.ly aussi. Musical.ly à l'ancienne, avant que TikTok arrive, il y avait Musical.ly. Ouais, il a pété dessus aussi. TikTok, il a pété dessus. Tu vois, c'est déjà deux gros réseaux virales où le son, à chaque fois qu'il revient dessus, les gens, ils se remémorent l'époque de 2016, quand le son il est sorti. Ça fait penser aussi à Amine Mojito, les dingueries qu'il faisait à l'époque. Tu vois, c'est une espèce de. Mais clairement, tu vois, grâce à TikTok, là, c'est ce qu'il a fait. Bah, les gens, ils reparlaient d'Amine Mojito alors qu'il était éteint. Ouais, t'as tapé ou quoi? C'est ça, en fait. Il est où Amine Mojito quand tu vois voilà, ça? Voilà, c'est ça qui s'est passé, en fait. Tu vois, c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Un bon son ou un bon clip, c'est quand il y a un marquage temporel qui se crée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est quand il y a un marquage temporel qui se fait. Et c'est là que généralement ça marche. Tu vois, ton son il est pertinent. Tu vois, qu'on rof là, frérot, les sons à rof maintenant. Même nos générations, les générations d'en bas, alors que le son il a existé en je sais pas combien de temps. Sur le temps, frérot, ça a duré. Sur le temps, ça a duré. C'est le temps qui fait tout en fait. C'est ça. La qualité de ton son, la qualité de ton visuel et tout, c'est le temps qui fait que. C'est. Après là, tu vois, il y a des. Là, tu vois pas, tu vois, y a pas beaucoup. Pour nous, là, il n'y a pas assez de monde. Mais frérot, de temps, là, il y a des petites histoires qui se sont créées. Tu vois, c'est pour ça que les gens, ils sont pas là. Mais sinon, frérot, tu vois le monde là, au radar, au quartier, tout ça. Et encore, là, il est tout encore. Ouais, c'est ça. Là, il est tout encore. Tu viens à 19, ça y est, les bécanes, sont dehors, il y a tout dehors, ça y est. C'est l'anarchie. Hey, t'as réparé, emporté, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Emporté, n'ayez pas honte. Bah, laisse sa coche. Tu dis Badou, il est complètement fou celui-là. Putain, je voulais dire un truc aussi, c'était quoi? Ah putain, j'ai oublié SB. Ah, parce qu'on parle, tu vois, tout à l'heure, ce que je t'expliquais de la différence entre rappeur et artiste, tu vois. Ouais. Un artiste, par exemple, tu vois, ce que moi je me considère comme artiste, c'est que je fais des concerts aussi, tu vois. Je fais des concerts, je fais beaucoup de scènes, tu vois. Et je travaille mes scènes. Ouais, ici, j'en ai fait beaucoup ici. Là, bah tiens, là, le prochain festival qui est à Reims, la Magnifique Saïti, le 23 juin, t'as Aya Nakamura, t'as Angèle qui vient, t'as Rema, t'as Prince Wally, t'as Meryl qui vient, t'as Favé. Tu vois, et ben moi c'est moi qui ouvre ce festival, tu vois. Bien. Et pour ouvrir ce genre de festival, il faut que tu aies quand même un galon scénique, tu vois. Faut pas juste que tu sois en mode showcase où tu mets ton micro, tu chantes, tu vois. C'est vraiment une prestation scénique à faire, un show, tu vois. Et moi je travaille dans ce genre de truc là, tu vois. Je travaille à la cartonnerie. Ici on a une cartonnerie, c'est une smack, tu vois. C'est un endroit où tu travailles toutes tes prestations scéniques, etc. Tu vois. Et c'est là-bas que je travaille avec eux. Où je travaille vraiment tout le côté scénique, tout le côté artistique, tout le côté cinéma, tout ce qui a dégagé sur scène, c'est là-bas que j'apprends, tu vois ce que je veux dire, le comportement sur la scène, les sons, travailler les sons, l'ambiance des sons, le mix, tout ça c'est des trucs que ça, c'est au moment où tu arrives au stade de artiste que tu vas commencer à parler de ça, tu vois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la différence entre rappeur et artiste, elle est là, tu vois. Le rappeur il va aller faire des showcases et l'artiste il va aller faire des concerts, voilà, pour moi c'est ça. Des vrais concerts, hein, pas concerts où tu viens et tu chantes sur ton son. Non, tu coupes tes voix, frère, et tu chantes tes sons. T'as capté? Y a pas de lead, tu vois, y a pas ta voix, tu vois.
et voilà. Pour revenir à cette question-là aussi. Frérot, dernière question de la vidéo, celle-là, ouais. C'est la même à chaque fois dans chaque vidéo. Mm-hmm. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ouais. Paris Saint-Germain, fort. Voilà. Bon, c'est quoi après, tes... Vas-y. Après, il y a... Tu connais, moi, je suis Reims, t'as vu? L'équipe de stade de Reims aussi, costaud, t'as vu? On n'est pas 19e de Ligue 1, t'as vu? Ouais. On est toujours là, 10e, 8e. T'as vu, on se tabasse, tu vois, des fois, on est 4e. Tu vois, Lille, on les monte en l'air, des fois Paris vient, on les monte en l'air, Marseille, des fois ils viennent, on les tabasse. Tu vois ce que je veux dire, on est quand même. C'est pas comme si on était en Ligue 2 nationale. Ouais. Tu vois, on est quand même là. Ah, ils sont là, ils sont là. Ah, ils sont là, frère. Will Steel, le copain, Will Steel, bon, il a même pas de. Même Chacal, pas de brevet d'entraîneur. Toi-même, tu sais. Il a pas de brevet d'entraîneur, Chacal, l'équipe, il la monte jusque-là, frère. C'est pour ça que je dis que voilà, on est. Ouais, moi c'est PSG, mais Reims aussi, tu vois. Reims, logique. C'est pas d'où on vient, voilà. Obligé. À fond. Comme t'as dit, nous, c'est une main, on s'entraide tous. Voilà, à fond. Tu vois. Toi, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Paname, Reims. Paname, Reims, tu vois. C'est carré. On est proche de la capitale, tu vois. C'est ça. Et on n'oublie pas d'où on vient aussi. Exactement. C'est quoi tes réseaux, Suzanne, quand tu fais tes réseaux? Alors, Snapchat, TK51. Instagram, TKS officiel. Twitter, TKS officiel aussi. Tu tapes TKS sur Twitter, tu me trouves aussi. Voilà, on est beaucoup actifs sur Insta aussi, TikTok aussi, pareil, TKS officiel, tu trouves. Et puis YouTube, hein, TKS, pareil, TKS partout, tu trouves. Moi c'est TKS, toujours en bas de l'échelle. Y'avait un mur devant moi, on m'a dit Nichelle. Comment s'en sortir, on croit au jeu d'hasard. Rien que ça joue au PMU, ça mate les chevaux comme des Hamas. Y'a de la rage qui coule dans mes veines, un peu comme Kunta, que les MC ça mène.